vu tout un tas de possibilités en fait de diffuser, d'éduquer la population au risque, de la préparer. Alors voilà, ça va des jeux pour les enfants, en passant par des programmes qui sont plus sérieux, plus structurés pour les adultes, des outils, des capacités aussi de réponse à l'urgence qui sont impressionnants, qui évoluent de façon permanente. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter là. Donc, on continue d'innover sur, sur nos activités classiques. On travaille aussi à augmenter nos moyens et nos capacités, parce que voilà, on sait que demain, les catastrophes, elles seront de plus en plus importantes, d'intensité de plus en plus grande et de plus en plus fréquente, notamment celles qui sont liées au changement climatique. On veut créer un Pirois Center, qui serait un centre de formation et de recherche pour mettre en valeur l'expertise aujourd'hui développée par la Croix-Rouge sur le territoire et sur l'océan Indien. Et vous dire aussi que toute l'expertise qui a été développée ici à La Réunion, elle en fait bénéficier l'ensemble des capacités de la Croix-Rouge française à travers le monde, puisqu'on a reproduit cet outil-là dans les Caraïbes et la même chose également sur l'océan Pacifique.